dégagement bloqué par Chilio. Oh, Chilio, ça n'a pas vu lui-même derrière, là. Et c'est la descente. Deux contre un. King et Kerr. La passe pour Kerr. Oh, la reine de roi avec le bout de la jambe droite. Il est là avec Gianni, Neely bien sûr. Les arrières sont Wesley et Raymond Bourque. Pour le Canadien, il y a... Et Malarchuk qui est sorti quelques mètres devant son filet pour faire l'arrêt. L'échappé de Turgeon, le meilleur marqueur des Sables. Le tir au quel arrêt de Patrick Roy. On verra bien. La qualité de son jeu sur les échappés s'est améliorée à Washington. Tu te souviens lorsqu'il y avait eu l'erreur de Chelios et de Schneider qui s'étaient frappés? On avait donné deux joueurs seuls avec Patrick Roy. Et il était puissant sur toutes les échappées. Il a résisté. Parce qu'il avait connu certaines difficultés l'an dernier. Autant il était bon auparavant sur les échappées. On revoit ici la séquence. Il veut faire bouger Roy. Celui-ci l'attend bien et bouge juste au bon moment. C'est ce qu'il nous disait. D'un angle est différent, cette longue passe. On va voir ici le travail de Roy. Patrick Roy, et c'était un 25e tir. Ce n'est pas devant n'importe qui, hein. C'est McPhee qui est venu le mettre en échec au moment où il déclenchait son tir. Mais quel arrêt! C'est le poteau. Le poteau, est-ce qu'il a été sur le masque? On voit, c'est une sortie de zone qui est complètement ratée. À zéro, les Rangers. Passe coupée par Bernie Nichols. Il entre, remet à Ruff, à Nichols, le tir et oh! Quel arrêt de Patrick Roy! Patrick Roy qui vient réparer l'erreur. Il a réussi à marquer. Le Canadien a plus de lancers au but, 12-8, mais les Maple Leafs semblent avoir eu les lancers les plus menaçants. Facile de céder. Running à Courtnall, à Didock, à Courtnall, voit son tir, hop, et Linden qui a touché le poteau. Eh bien, quelle occasion! Passe du trio de Running et l'arrêt spectaculaire de Patrick Roy. On voit ici Patrick qui tient sa mitaine en haut et la rondelle dévie sur le poteau. Ah oui? 14 points sur l'assistance. Il y en a qui n'ont jamais atteint ce cap. Je crois que c'est en 83-84. En compagnie de Chicarelli. Benjamin qui applique les freins devant Haller. La passe est pour Probert. La passe à Chicarelli. Quel arrêt de Patrick Roy. On va revoir l'arrêt de Patrick Roy. On voit ici Eiserman qui contrôle bien la rondelle. Haller qui joue bien. Il fait face aux joueurs. Et Probert qui remet directement à Cicarelli et Patrick Roy fait un arrêt de toute beauté. Que Montréal. C'est ça. Et ça, c'est important comme tu sais. Et là, tu sais mieux que moi. On est pour tir. Et Roy qui a réussi à faire l'arrêt. L'autre tir. Et là, encore une fois, Patrick Roy qui vient sauver la situation chez les Canadiens. Il était étendu de tout son long sur la patinoire. Comment a-t-il fait pour capter la rondelle, Michel? Ça tient un peu du miracle, ou en fait d'une très grande expertise aussi. À l'occasion, comme gardien de but...